Ça t'a fait parler. C'est chaud, hein. On se replace, voilà. C'est pas mal ça. On joue contre une sélection camerounaise et en première mi-temps on a fait une bonne prestation. On a loupé une occasion, c'est vrai, on avait un pénalty et on n'a pas su concrétiser ce penalty, mais c'est un match intéressant et on prend plaisir, quoi. Voilà, on a eu Pascal Fayoudouno qui vient d'entrer là. J'espère qu'il va nous apporter énormément. De toute façon, par rapport à son nom, par rapport à ce qu'il a fait, éventuellement, il va nous apporter quelque chose. Et puis, ce qui nous compte à la fin, c'est qu'on puisse gagner au moins 1-0 et ça nous ferait plaisir, vraiment. Voilà. Entre les Black Stars et la sélection du Cameroun, et c'est un match pour des enfants handicapés. Et on participe à ça avec plaisir, et à partir du moment où on nous fait appel, on vient tout de suite et on est là, et ça nous fait vraiment plaisir. Malgré que pour l'instant, c'est bon, au niveau des spectateurs, il n'y a pas énormément de monde, mais on prend plaisir et vous voyez que tout le monde est quand même content. Le numéro 4 qui marque 3 buts. Et Pelé a marqué pénalty. On a énormément d'occasions. On vient d'en mettre 5 en deuxième mi-temps. Et là, vous allez voir, on va en marquer 6e. Donc, sur le coup, c'est une bonne prestation. On a fait rentrer certains joueurs qui nous ont apporté énormément. Et voilà, c'est très intéressant. Et puis, à l'arrivée, on gagne. On est très, très content. Non, mais c'est vrai qu'en 20 minutes, on vient de marquer 6 buts. Et on a fait la différence. Les petits jeunes ont explosé, quoi. Et que les anciens sont toujours présents et on voit qu'ils ont du niveau et que c'est très intéressant toujours pour nous. On peut encore continuer. Vous êtes en face d'une équipe quand même de jeunes, hein? Ah oui, complètement. Mais l'essentiel, c'est le placement, c'est l'intelligence sur le terrain qui fait la différence. Et l'expérience, ça s'est vu. Voilà. Nous avions eu la chance de rencontrer les anciens du Cameroun. À la mi-temps, nous perdions 1-0. Mais grâce à une deuxième mi-temps exceptionnelle, nous avons marqué 6 buts en à peu près 30 minutes. Donc nous menons à l'actuel 8-2. Le match se déroule et finira dans un bon quart d'heure. Hein. Et l'association pour qui nous avons joué aujourd'hui, c'était après une absence de 5 ans, une reprise. Donc disons que oui, c'est difficile à dire, mais j'ai pas le mot. C'était
assez compliqué pour démarrer le match. C'est pour les enfants handicapés du Cameroun. Le match était Black Star contre les anciens du Cameroun. Salut. Le score est de 8-2. On a fait une très bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps ils ont un peu baissé le pied, on a pu mettre d'autres buts quoi. À bientôt, merci sur la YouFoot Academy. Constantin Etot, fondateur de la YouFoot Academy. C'est une application qui va être bientôt en ligne, qui va permettre aux jeunes footballeurs dans tout le monde entier de pouvoir poster leurs vidéos pour qu'ils puissent être recrutés par des équipes ou puissent faire des tests ici en France et en Europe. Voilà, donc allez vous inscrire sur la YouFoot Academy si vous êtes jeune, vous êtes passionné et que vous voulez devenir footballeur professionnel. Je t'envoie à Patrick. Super, merci. Ah ouais, ça on va mettre ça sur les réseaux sociaux là. C'est vrai que bon, j'étais venu un peu en retard, mais bon, la deuxième mi-temps, ce n'était pas pareil hein, comme la première, parce que bon, il y a eu des changements et après, bon, on voulait gagner, quoi, on voulait accélérer le jeu et puis bon, on l'a fait. Ouais, c'est une bonne cause pour l'association déjà pour se déplacer, c'est bien pour l'association. Oui, je suis venu assister au match qui nous a fait plaisir. Une grande rencontre entre les joueurs Bamoun et les anciens, la histoire. Ça nous permet des échanges énormes et ça nous apprend beaucoup de choses. Nous remercions la communauté de Sarcelles. Vous êtes la marraine. Oui, donc je suis la marraine avec toute l'équipe. Nous remercions toute la communauté de Sarcelles qui nous a fait le plaisir de venir vous rendre visite. En espérant que c'était une continuité. Merci. Alors, on a été invité par l'association CEDA, qui se bat en faveur des enfants défavorisés d'Afrique, notamment plus précisément du Cameroun. Et donc, chaque année, Patrick Kouo organise ce match. Bon, ça se termine là par un petit pot. Bien agrémenté, j'ai vu l'étape tout à l'heure, je suis passé, ça a l'air sympa. Et il y a même des artisans qui ont amené des masques, des petits objets de traditionnels. Et on va peut-être faire des petits achats, faire des heureux, on va voir. Mais bon, ça se termine bien. La troisième mi-temps, comme disait Eric Bimen, ça annonce bien. Ça, je crois que je parle pas trop parce que... Il y a une petite souris qui est venue manger une banane. C'est toi. Comment tu t'en penses? Non, c'est pas ça. C'est toi. Non, c'est pas moi. Bah, c'est pas ça. Il est venu manger une banane. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, on organise un match de foot à but non lucratif entre ABFFC et les Black Stars. Ce match aura pour but une construction d'école dans le village de Mayo à l'ouest Cameroun. Donc, et aussi, on fait le parrainage des enfants. Ce qui est très important, c'est de faire le parrainage des enfants dans des villages parce qu'ils n'arrivent pas à aller à l'école, parce qu'ils n'ont pas payé la PE, ce n'est pas forcément les bâtiments aussi. Le parrainage des enfants est très, très important parce que parfois, on a les bâtiments, mais il n'y a pas d'enfants. Donc, aujourd'hui, on fait un match à but non lucratif pour l'éducation des enfants dans le Noun. Il faut qu'ils partent à l'école. Alors, on a fait des brochettes, tout ce qu'il y a à manger, des boissons. C'est gratuit, l'entrée était gratuite. Tout ce qu'il y a à manger, c'est gratuit aussi. On remercie les Black Stars, on remercie la mairie de Sarcelles. On remercie tous les gens qui sont venus nous soutenir aujourd'hui aussi. Et vous également, merci beaucoup. Merci d'avoir soutenu les enfants de Mini d'Afrique et d'avoir offert ce grand sourire aux enfants du Noun. Merci.
Maréval, 36 ans, ancien du FC Nantes. On est venu ici pour la cause des enfants du Cameroun, une association. Donc on est venu la représenter aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Il y a eu un superbe match, il y a eu plein de buts, il y a eu un score de 7-2. Et puis ça s'est bien passé dans l'ensemble, il y a eu du monde. Donc c'est ce qu'on était venu chercher. Et puis là, on est tous ensemble, donc on peut discuter de plein de choses et c'est agréable de aussi profiter et de faire honneur à l'association. Voilà. Je tiens à remercier infiniment les Black Stars. Les Black Stars qui nous ont permis de faire un match amical pour mettre en lumière notre association CEDA, soutien aux enfants démunis d'Afrique. Donc, et je tiens aussi à remercier ABFC. Donc, je remercie particulièrement Albert Courion qui m'a beaucoup aidé. Et je remercie aussi les grands frères, les anciens footballeurs qui sont là présents, les anciens Lyon et Montagne. Alors s'il vous plaît, stand-in ovation pour les anciens Lyon et Montagne. Mabon Kessan. Il a tenu à jouer. Merci Bernard. Bernard est plus. Franchement, merci beaucoup Bernard pour ta disponibilité. Merci. Voilà, la mairie nous harcèle pour les médailles et pour les trophées. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie. Je remercie aussi Maître Aboubakar, Moumpen, Madame Bruno, le karatéka du Cameroun. La princesse du royaume d'Amour. Il faut savoir que. Merci à la région Bamoun, merci au Cameroun, merci. Le Cameroun est un et indivisible. Voilà, on veut la paix au Cameroun parce que non à la division du Cameroun. Non à la division du Cameroun parce que le Cameroun il est un et indivisible. Voilà. Quand vous regardez le visage des anciens pères de l'indépendance du Cameroun, ouais. Le visage est clairsemé. Il y a un Bamileke, Enes Wandji. Il y a un Bassa Oumyode. Voilà. Merci la présidente de la fondatrice. Voilà. Et merci aussi à la fondatrice Alima Moumpeng. Voilà.
Guylaine qui fait le barbecue depuis Aïcha. Merci Aïcha. Merci Amina. Merci. Merci Jacques Michel. Donc je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés en fait à ce que l'événement se produise bien. L'événement en fait est une réussite. Le but de ce match en fait était de mettre en lumière notre association qui s'appelle SEDA, soutien aux enfants démunis d'Afrique. Voilà. Et nous allons en fait reconstruire une école en zone enclavée au Cameroun pendant les vacances scolaires. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Comme on est tous constitués, comme vous voyez, ce sont tous des personnes qui aiment donner. Donc on tenait vraiment à ce qu'on soit là. Donc on est content d'être là pour la cause. On est tous contents d'être là. Merci, merci. De France et les Black Stars. Je suis ici aujourd'hui avec les Black Stars, je m'appelle Emmanuel Mabouankessak. J'ai participé à la fête des Bamoun, donc organisation parfaite, nous sommes très contents. Nous reviendrons un jour, mais nous avons gagné, ce n'est pas ça l'essentiel, c'est tout le monde qui a gagné. Donc que la fête continue et c'est comme ça qu'avec des associations, nous arriverons à faire des grandes choses. On sent de l'amitié, on sent de la famille et je dis merci aux organisateurs, merci aux Black Stars parce que le président Fabre est venu avec Alain Couriol et Patrick Mbouma. Ça fait plaisir de voir nos aînés et je pense que nos enfants vont aussi faire comme nous. Merci encore et à très bientôt. L'enfant d'un ancien footballeur, c'est un footballeur. Oui, applaudissez quand même pour moi. J'ai l'honneur d'appeler le président de Black Star, monsieur Favre. C'est le Cameroun qui gagne, c'est ça? Bien, oui. Bien, je n'ai pas vraiment assisté au match. On m'a dit qu'il y a eu un très beau match et que, heureusement, c'est toujours le Black Star qui gagne. Et cette fois-ci, Black Star a gagné. Mais les jeunes n'ont pas démérité. Merci.
comme c'est Albert qui a tout suivi, je préfère vous donner la parole à Albert. Et puis voilà. Et je vous remercie également à notre camarade qui était avec nous, Emmanuel Marouin. Et est-ce que les jeunes générations le connaissent au moins? Vous le connaissez tous? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est formidable. Je veux dire merci à Patrick de nous avoir répondu à ce match. Voilà. Ça a commencé un peu doucement, mais ça finit fort. On m'a dit que c'est comme ça au Cameroun. Ça démarre toujours doucement, mais ça finit toujours très fort. Donc on est en pleine jouissance. On est content d'être tous ensemble. Et on va boire un petit coup, on va continuer à boire un petit coup. Oh là là. Et en plus, on m'a mis super. Merci, merci à l'organisation. Moi, je note aussi. Non, simplement pour dire que c'était une belle. Et on reviendra pour les. C'est gentil. La parole est au grand frère. Chez nous, au Cameroun, on appelle le grand frère par respect. Donc, la parole est au grand frère Emmanuel Mabon-Kessak, mondialiste, qui a participé à tout le monde. Avec du bruit. Stadine, comment se pour Emmanuel Mabon-Kessak, s'il vous plaît. C'est le Cameroun qui gagne toujours. Hein. Voilà, c'est le Cameroun qui gagne. Bon, ça fait un tour. Bien vu, alors, celui-là, on ne l'a pas présenté. Hein. Là, toujours avec nous. C'est un ancien pro. Photo ou vidéo qui nous vient de Nantes. C'est ma vidéo, non? Voilà, c'est lui qui a le fameux chez nous. Je le présente. Pascal Feindoudou. Soulève ta tête. Photo, s'il vous plaît. Photo. Tiens. Tu mets pour Patrick. Est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr, bien sûr, Pascal. Même deux. Même trois mots, même quatre. Ouais, ouais. J'ai gardé la vedette pour la fin parce que la vedette c'est Emmanuel Mabouin et c'est un plaisir pour moi de te remettre voilà la médaille et il y a Patrick Mouma qui n'est pas là voilà et La force de l'expérience. Bien.
Ah oui, ça c'est... La présidente va honorer le président. Jean le président. Mais pas de. Bon, c'est gentil. Bon, je la vois pour vous tous. Bravo. Oui, allez. Merci. Comme vous le voyez, on est tous contents d'être là. On a passé une bonne journée. On a fait un merveilleux match de foot. On est tous contents. Bravo, bravo. Merci. Merci. Je vous remercie de la présence de la fondation AGFFC.